Bonjour. Toute personne qui répondra à l'appel à la vaccination devra le faire sur un site dédié, santé.fr ou Doctolib, ou sur la plateforme téléphonique, mais ces renseignements sont sur le site internet de la ville. Donc les personnes qui arriveront sur le centre de vaccination seront accueillies par un agent municipal qui va les accompagner dans le cheminement de la vaccination. Donc il faut voir bien deux phases. Les personnes qui sont accueillies dans un premier temps sont des personnes de plus de 75 ans ou des personnes qui ont des pathologies particulières et qui sont reconnues. Ils seront accueillis et envoyés dans une salle d'attente qui se trouve sur le fond de la salle, là, et les accompagnants, puisque à cet âge, peut-être qu'il y aura des accompagnants, auront une salle d'attente dédiée. Donc les personnes qui seront venues pour cette vaccination seront positionnées au niveau de cette salle d'attente et seront appelées par le médecin responsable de la vaccination qui se trouvera sur le centre de la salle avec l'ordinateur qui se trouve à ce niveau-là. La ville a mis en place un centre de vaccination dédié avec un partenariat avec le centre hospitalier de Seclin. Le centre hospitalier assure la logistique en moyens humains et la municipalité assure la logistique en moyens matériels. Toutes nos équipes ont été sur le pied de guerre, je peux plus dire, avec de nombreux mails, de nombreux échanges avec le centre hospitalier, avec les différents intervenants. Il est essentiel de se faire vacciner pour vous protéger, pour protéger vos proches. Et la vaccination est le seul moyen, à l'heure actuelle, de retrouver une vie normale.